Donc là, actuellement, je suis en train de fouiller dans un sac de McDo pour voir s'il restait une frite ou quelque chose. Waouh. Comme un gros clochard. Oh, le niveau de désespoir. Genre, j'ai regardé partout. Genre, pas... Tu sais, quand il y a une tombe qui frite... Il y a une... Waouh. Bon, bah là, c'est mort. Là, ça y est. J'arrête de parler. On dirait un toxico qui se gratte le bras. Tu sais, quand il y a une tombe qui frite... Je voulais regarder s'il n'y avait pas une tombe qui frite... T'es sûr que tu te fais pas sucer ta co? Je vais demander. Je vais demander, mais là elle est. Non, mais ouais, je vois. Même quand je joue, ma connexion elle galère de ouf là. Ouais, c'est quand tu parles, je comprends pas ce que tu dis. Après la game, je regarde. Oh putain, ouais. T'as fait après la game, je. Après la game, je regarde. Oui, okay. J'ai compris. A few moments later. Mais je drop. Oh la vache, t'as fait. Mais je. Stop. J'ai reboot mon PC, j'ai reboot mon routeur. Je comprends rien ce que tu dis. J'ai entendu j'ai. Out. Je suppose que ça veut dire j'ai reboot. J'ai reboot. Dès que tu dis plus de deux, ça lag. J'ai reboot. Ah oui, j'ai compris. C'est que tu lag. Mon PC. Voilà, fais des phrases bien espacées. Et mon routeur. C'est pas normal. T'as fait un speed test et ça se passe bien. Je regarde. Ah, c'est vrai, quelqu'un qui a dit il pleure comme si je venais de se casser la mâchoire. Comment ça regarde. Ah merde. Même quand tu râles, ça lag. Merde. Ma meuf, elle a 4 mégas. Waouh. Waouh. 4 mégas. La seule chose qui a changé par rapport à avant, c'est que j'ai branché une guirlande. J'ai donné mon mot de passe wifi au voisin. Non, j'ai branché une guirlande. Je vais débrancher cette guirlande. Quoi? Non, mais tu peux pas faire ça. Je vais débrancher cette guirlande, Damien. C'est le seul lien que vous avez fait qu'il a trouvé. Donc là, t'as débranché la guirlande, là. Ouais. Ça marche pas trop, hein. Appelle Orange là, hein. Ils vont peut-être pouvoir te régler le problème en direct, sérieusement. Bah, tu vas voir, ils vont me dire « Oh, 150 mégas, monsieur, c'est très bien. » Vous savez, il y a des gens, en la campagne, ils ont moins que vous, hein. Bonsoir, je vous appelle parce que j'ai un gros problème de débit sur ma ligne. D'érection. Oui, alors je vais vous communiquer les centimètres. Alors là, au repos, c'est 8,5. Normalement, c'est plus gros, hein. C'est la hotline la plus qualifiée que j'ai jamais eue de ma vie, hein. Le mec, je lui dis « Vous connaissez Discord ?» Il fait « Oui, oui. Vous savez ce que c'est que streamer ?» Oui, oui. Ok. J'ai leaké mon numéro de téléphone, c'est ça? Oui, mais c'est ton numéro de téléphone box qui ouais. Ne relie à rien. Donc j'avais coupé OBS, mais j'ai pas pensé à couper Discord. Oui, son numéro, on l'a appelé. En fait, vous allez rien faire parce que c'est le numéro de téléphone. Oui, on s'en bat les couilles en fait. Vous tomberez sur rien. Allô? Ah bah non. Ah mais Alok! Vous l'aurez pas, Alok, s'il vous plaît! Ah bah non. Ah bah non. Bon bah je vais laisser un message. C'est quand même bizarre que quand t'appelles Orange, ça règle le problème. Ouais, moi je trouve que c'est une curieuse coïncidence quand même. Le gars il me disait ouais non je fais rien, j'ai rien fait. Sandrine, arrête tout, je crois qu'il a repéré. Sandrine, la suce sa ligne, c'est pas drôle. Je sais que c'est drôle de passer sur un stream, merde. Ah la bombe ça donne de l'argent. Ah viens on pose une bombe. Attends, je pose une bombe. Tu vois la zone de ma bombe. Ça veut dire quoi ça? Sors de la zone de ma bombe. Viens avec moi. Sors. C'est vrai. Viens vite. Attends, il y avait des munitions. Viens vite. Elle va péter. Oh putain. Mais je me mec. Mais t'es con, moi je me suis carrément rapproché en fait de la bombe. J'étais éloigné. J'étais éloigné, je m'en suis rapproché parce que tu m'as fait paniquer alors que là où j'étais c'était bon. Oh merde. Oh. Oui voilà, comme ça. Oh non. Mais... Oh ouais. Oh mais non. Mais j'ai plus de balles nulle part. J'ai 21 HP, c'est... Quelle est cette merde? Ah, c'est le moment de faire du shopping. J'envoie plein de drones là. Allez. Oh. Attention. C'est mes munitions, fils de pute. Oh putain, c'est chaud. Et là devant. Non. Putain! Mais c'est à moi! En plus, quand tu meurs, on voit tout ton argent qui fait wouh! L'improvisation! Oh! GG! Qu'est-ce que je fais? Je fais ça! Coucou! Oh bah dis donc, il fait bien livrer, hein! Là, tu fais livrer. Oh là! Oh, il a bien livré! Vas-y, pendant qu'il loot, là, cet enculé! Oh non! Quel con, j'ai été ton gros moment! J'ai plus de balles! Je suis dans une merde, pas possible. Ça va se jouer un lancer de marteau. Allez! Oui! Ah, GG! Oh putain, t'as pas! Ah, le GG! Oh, quel chaos! Putain, je vais voir son point de vue là. Genre. Oh putain! Il est là, genre. Oh, il est forcément ici! Bam! Ah, je transpirais de ouf!
Bah ça devient le meilleur BR instantanément en fait. Parce qu'on peut y faire des tops, hein. Voilà, c'est tout. Je viens de penser à un truc, puisqu'en fait je vous disais, on en dit du bien et tout, c'est dommage. Écoute bien moi cupidité, hein. Ils font jamais dopé, Valve. Non. T'as vu le raisonnement, t'es de fil en aiguille. Jamais. Attends. Ah attends, alors je viens de dire du bien d'un jeu, est-ce que j'ai été payé? Ils sont deux, hein. Il est mince. Ils peuvent pas m'avoir, avec ce... poteau. C'est vraiment caché derrière un poteau comme les enfants qui pensent qu'on les voit pas quand ils se cachent les yeux, quoi. Tu te mets de profil comme ça. Oh, le chat, vous avez... comprenez que quand il y a un freeze, c'est que je fais un retour Windows. C'est... ça fait genre 5 fois que je le fais. Freeze, Link, freeze. Freeze, 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 freeze. On dirait les mouettes dans Nemo. Freeze, 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 freeze. En ce moment, je mange vraiment très très mal. Particulièrement en ce moment, je sais pas, c'est à base de chez moi, c'est nuggets potatoes, et après je me fais livrer tacos double chicken. Putain, mais toi, il faut que t'aies une bonne chiasse, hein, quoi. Faut, sinon tu... Tu sais, j'étais là hier soir, j'avais trop mal au bide. Je suis en mode, oh, j'ai mal. Et après j'ai fait, il y a un petit cake à la framboise dans le frigo. Oh, ça va me soigner, ça, c'est sûr. Je pense, au fond de moi, c'est comme de la scarification, peut-être que... Ouais, tu te fais un peu de mal. J'ai un mal-être, quelque part. Mmh, allez, tu vas te faire une bonne chiasse, là. Yes. Dommage. Mais il doit être bien amoché parce que... il s'est arrêté juste après. Non, je lui ai enlevé 24 HP. Ah. Pourquoi vous me dites d'aller dans la zone? Pourquoi vous me cassez les couilles? C'est chiant, hein. Il disait dans quelle zone? J'en sais rien, j'aime pas leur humour. En même temps, il faut que vous vous amusiez, putain, je le sais. Faut que vous vous dépensiez. Mais ça me saoule. C'est pour ça que je gueule pas trop, il s'amuse. C'est l'essentiel. Un viewer qui s'amuse, c'est un viewer qui reste. Aujourd'hui, c'est Wonky de Corp. On se fait troller volontiers. Volontairement. Vas-y, moi j'arrête de parler, vas-y. Pourquoi on est plein à avoir été bloqué par Link sur Twitter? Je t'invite à chercher dans chacun de tes tweets la cause de ce blocage. Moi, des fois, il y a des mecs qui m'en sont... Tu peux dire à Link qui te débloque, je comprends pas pourquoi. Et genre, je regarde deux secondes, mais t'es con, quoi. C'est pas dur. Cherche bien, c'est pas dur. Ah, oh. Oh! Attends, je vais pas coller dessus. Oh, je sais pas. Ça a bougé en même temps. Oh, je sais pas, je veux le voir. Attends, Est-ce qu'on va voir son pote? Est-ce qu'on va voir son pote? Regarde ton pote, regarde ton pote. Je sais pas. Je saurais jamais. Ah, y'a quelqu'un qui dit tu l'as collé, Terra. Mais putain, en blind comme ça, t'as rien vu, ouais, t'as lancé, quoi. Bam. Je t'ai même pas deck que ouais, tu meurs, je m'en fous. Moi, ouais, je m'en battais les couilles de mourir. Genre, ça m'avait suffi. Attends, mais pourquoi t'es resté dans la zone? Mais putain, mais moi, je pensais que c'était pas genre comme les C4 normaux, tu vois, c'était juste à ouvrir le coffre. Comme quand t'ouvres un coffre, tu vois. L'idée du juif de Galilée, là, il est resté. Quand t'ouvres un coffre, tu mets pas un pain de C4, tu mets un petit truc, tu sais, genre comme dans les films où ça ouvre juste le coffre. Non, mais moi je l'avais zappé en mode c'est pas dangereux, on ouvre juste un coffre. Oh putain! Ah ouais, ça tue! Oh le cupide! Ah ouais, je... Il est resté à 5 mètres de l'explosion! Je vais l'avoir en premier. J'ai la WAP! T'as la WAP? J'ai la WAP! Y'a qu'une balle, munitions. Donnez! Voilà. Oh putain, c'est toi toutes les munitions, voilà, là. Voilà, c'est bon à tout ça. Attention, la zone, mec. La zone. Oh putain, non. Non. Mais prends-le. Putain, mais c'est de la merde. On va les couilles. Tu te mettras des injections au pire, comme ça, nanas. Yes. Bon courage, hein, pour le top 1. On va faire le tour avec ta mère. T'as la zone. Il y a un mec dans le chat, il m'a appelé ce gros porc maigre. Est-ce que j'ai le droit de l'insulter de fils de pute, même si c'est un viewer? J'ai le droit quand même. Match nul là, mais ce gros porc maigre, c'est quand même stylé. Ah, c'est pas mal. Moi je le prends sur Fortnite, Kotagar. Je le prends quand tu veux. Je fais trop le mec, tu sais, alors que... Je le prends en il avion. J'ai pas envie de l'affronter une seule fois. C'est quoi, je lui dis 1v1 de style dépôt, celui qui gagne remporte les subs de l'autre. Tous les subs? Ouais, tous les subs. Genre clic droit, déposer les subs. Déposer tous les subs. Bon, je te cache pas que s'il y en a un qui perd, il y en a un quand même qui va être gagnant, plus... mais. Ouais. Mais après tout, si c'est le French Monster, bah vas-y, qu'il ait pas peur. Après tout, c'est tout bénef, non? Alors? Bah alors, on perd ses moyens? Cocotte? Tu sais, il est même pas là, il nous répond même pas. Bah alors? Poule mouillée? C'est toi qui livre là? Ouais. Yes, je l'attends depuis tellement longtemps. Tu l'as pris? Tiens, il était... C'est pas de ma faute, il était sur moi.
Comme par hasard, je suis en dessous. Oh mince. Oh non, ton AWAP. Oh. T'es parti manifester hier. Ouais, mais bon, il y a pas grand monde. Ah, t'as manifesté à Vincennes. Ouais. Bah, je suis allé casser un Chanel, mais après. Mais j'étais tout seul en fait. Donc j'ai arrêté. Le mec, il lance un caillou. Il voit qu'il y a personne, il arrête. J'ai pas réussi à casser la vitre tout seul, du coup, je suis parti. Bon du diable. Parce que c'est vieux ça. Mais qu'est-ce que c'était bien. C'était la vraie époque pour le shopping. Si t'aimais le shopping à l'époque, c'était sur les ventes du diable qu'il fallait. Aujourd'hui, aller. Les prix sont indécents, mais est-ce que quelqu'un se souvient des ventes du diable? Est-ce que vous faisiez vos achats dessus? Moi, oui. Moi, je les faisais essentiellement parce que c'était Gilo Well qui arrivait à les vendre. Bah ouais, parce que sans Gilo, moi, j'aurais pas trouvé tous ces prix de ouf. Trottinette au rabais? Vente du diable. Vente du diable. En fait, ça me fait rire le. Parce qu'il dit, ah oui, il faisait des trucs genre, waouh, c'est vraiment diabolique cette promotion. Genre, c'est quoi? Belle époque quand même. Le Gilo Gang, il était fort. C'est comme si on avait tryhard pour faire partir d'internet et maintenant je regrette tout. Parce qu'en fait, sans lui, c'est moins drôle. Tout était mieux quand il y avait Gilo. Même flashé, je te baisse, fils de pute. Waouh, il doit pas être content d'entendre ça. Il aurait dû sauter sur l'occasion diabolique de me tuer. On n'attend pas devant une vente du diable. Gilo, il aurait vendu du vin aux Allemands. Ah, Gilo, c'est un influenceur comme on n'en fait plus. Gilo, c'était The influenceur. Vous avez pas connu la vraie époque de l'influence. Aujourd'hui, on vous dit, allez, précipitez-vous sur ces ventes diaboliques, etc. Vous nous direz, bon, ta mère. Ah, les gens s'indignent, oui, des Instagrammeurs, ils nous vendent des trucs, mais vous ne connaissez pas Gilo. Vous pouvez lui demander de vendre n'importe quoi et de le vendez. Et c'était pas du dropshipping, hein, c'était diabolique sans être du dropshipping. T'as gagné le taco 6L ou pas? Non, j'ai participé, mais je sais pas qui a été tiré au sort. T'as participé toi aussi? Ouais, mais j'ai pas win. Bah, du coup, je suis un peu en galère. Je comptais là-dessus pour ma fin de ça, mois. Pour le coup, c'était vraiment un concours diabolique. Oui, ça, c'était vraiment une occasion diabolique. Et moi, j'ai RT. Le tirage du taco, c'est le 25. Non, vous êtes pas. Ah, attends, parce que. Attends, vous parce pas que sérieux. C'est pas aussi long que ça, quand même, le tirage. Vous êtes pas sérieux. T'imagines, t'attends 22 jours pour savoir si t'as un tacos. T'as gagné un menu à 7 balles. C'est des barres. Tirage le sort 25-12, Noël, hashtag otakos. Non mais c'est vrai. C'est vraiment diabolique comme concours. Non mais tout le monde y gagne, genre comme ça les abonnés sont contents. Et ça, faire plaisir à ses abonnés, je trouve qu'on le fait pas assez. Tu vois. Ah, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, au final. Je suis d'accord avec toi. Au bout d'un moment, c'est de la médisance. Et ça reste une occasion diabolique. Ça, c'est bien référer toutes ces offres à Satan. C'est une bonne stratégie marketing, je pense. Putain, j'ai vu une vidéo. C'est un Yellow Jacket, il s'est cru dans Call of, il a récupéré une grenade à la main pour la renvoyer. Le problème, c'était que une fois qu'elle est dans sa main, ça a pété. Ça fait comme un bouquet de fleurs. À la place, il a le poignet et au bout du poignet, ça fait un bouquet de fleurs, tu vois. C'est tout mou, il a fait une pendouille. C'est le mec qui se dit, oh, je suis sur une scène trop stylée, tu vois, je la récupère, ouais, je la relance. Tu filmes, hein, tu filmes. Dès qu'il allonge, je la relance. Filme-moi pendant que je la prends, s'il te plaît. J'ai vu ça dans Le Soldat Ryan. Au pire, tu mets un coup de pied dedans. Ah non, mais même résultat pour ton pied. Hein. Je m'en souviens quand il y avait une vidéo. C'était en Ukraine, quand il y avait les premiers affrontements. Il y avait un barrage policier et il y a une grenade de dispersion qui arrive sur le bouclier d'un des flics. Le flic il enlève son bouclier, il veut shooter dedans et au moment où il shoot dedans, paf! Ben son pied il a fait oulaoup disparitus. Oh non mon pied! Les gars j'ai plus de pied. Quand mec parle de manière normale une fois qu'il fait un truc comme ça. Oh les gars! Ah les gars, j'ai pris un panard! Pam 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 pam! Oh la maladresse, oh non. Ah, du coup il y en a qui sont allés chercher la vidéo et qui regrettent, bah chais. Chais, vous êtes fait influencer par un influenceur. Je suis diabolique. Gilets jaunes. Un couple de gilets jaunes s'est marié au péage de Brignac dans les Hautes-Pyrénées. Putain, ils sont mariés avec leur gilet? Bah je suppose que oui, s'ils sont mariés au péage. Ah j'avais pas entendu au péage. Ah sa mère. Ah c'est stylé, putain. Tu sais, ils ont fait un truc symbolique genre, ils ont mis le ticket, ils ont mis la musique et ils ont passé sous la barrière.